Meghan Markle et Kate Middleton ont-elles un jour été amies? Dans le livre Finding Freedom, les auteurs Omid Scobie et Caroline Durand passent au crible la vie du duc et de la duchesse de Sussex, de leur histoire d'amour à l'arrivée de Meghan Markle dans la famille royale britannique. Dans une interview télévisée accordée à Good Morning America en amont de la sortie de son livre, Omid Scobie revient sur la relation qui unit Meghan à Kate. Ce sont deux femmes qui n'ont pas grand-chose en commun. En tant que nouvelle arrivée, et sachant que Kate a elle aussi été nouvelle au sein de la famille avant elle, je pense qu'il y a des moments où elle savait que ce que Meghan pouvait ressentir ou avoir, ou avait besoin d'un peu plus de soutien de la part de Kate, mais cela n'a pas été le cas quand le moment s'est présenté. Interrogée au sujet de la rumeur qui raconte que Meghan Markle aurait fait fondre en larmes lors de sa séance d'essayage de robe de mariée, Omid Scobie assure que ce n'est pas loin de la vérité. Une relation au point mort résignée à l'idée que leur relation resterait au point mort, Meghan Markle n'aurait toutefois pas beaucoup pâti. Cela ne l'a pas empêché de dormir, explique encore le biographe. Leur relation n'a pas beaucoup avancé dès le moment où elle est devenue la petite amie de Harry, peut-on encore lire. Mais elles ne sont pas en guerre non plus. Il y a eu des moments étranges, comme le jour où leurs chemins se sont croisés à Kensington Palace, note de la rédaction, en 2017, au début de la relation entre Meghan et Harry, et elles allaient toutes les deux faire du shopping, dans la même rue, et Kate est allée avec son propre Range Rover. Si elle avait conquis le peuple britannique en entrant dans la famille royale, au point de ravir le titre à Kate Middleton de reine de la mode, depuis le Meghoi, la situation s'est inversée. Désormais, la cote de popularité de Kate Middleton ne cesse de grimper. Comme avant l'arrivée de Meghan Markle.